Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver en direct de Manchester à Old Trafford. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Et le programme est assez alléchant avec cette affiche. Il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'excitation dans l'air. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada. Mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Hein. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Et on va regarder la proposition de cette formation. Dans le but, Ter Stegen, Van Dijk avec Araujo en défense centrale. Brandt sera associé à Kai Havertz au milieu de terrain. Attention, voilà un bon duel. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Allez, c'est joué court. C'est parti sans aucune difficulté pour Ter Stegen. Kai Havertz. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Lemar. Tiens, Napito. Foden. De quelques minutes seulement et déjà un but dans ce match. Bon passant. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Araujo. Brandt. Il y a du monde en soutien. Et c'est pas possible. C'était l'occasion jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Pas de pression pour reprendre la possession. Gonçalo Inacio. Araujo. Oui, la belle incursion là. Et le break est fait, et voilà, avec une avance confortable maintenant. La pression était redoutable, épais, difficile, mais le talon était léger, la balle est libérée, golazo! Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach, il a l'air ravi d'ailleurs. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Havertz. Des solutions en attaque là. Et oui, Oblak qui se détend bien là-dessus. Il est joué court. Avec ce centre dans la surface. Goal! Et oui, bien joué pour revenir dans ce match.
Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Et la passe est complètement ratée. Une belle passe en profondeur. Et quelle intervention! Oui, à deux, c'est bien fait. Coquet avec le ballon. Et pourquoi pas, de loin. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Ouais, le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Et le bon plongeon, Yann Oblak. Allez, bien frappé ce corner. Ballon dégagé du coin. Allez, c'est récupéré très haut ça. Tatiana Pinto. Foden. Le ballon change de camp. Il y a du soutien en attaque. Ah, il est passé sur ce bon geste. Attention la frappe. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Oh la faute! Ah, le geste n'est pas du tout maîtrisé. Ça va vraiment, c'est explosion. Ouh, le rouge là, ça peut être un tournant dans ce match. On les sentait sereins. Ah, ça peut tout changer là. Eh oui, mais la vie, c'est ne pas attendre que la tempête passe. C'est danser sous la pluie. C'est bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. On a vu des choses intéressantes dans ce match. Leur domination s'impose. La priorité maintenant, c'est de préserver ce but d'écart jusqu'à la mi-temps. De l'espace pour Thomas Lemar sur l'aile. Attention Thomas Lemar. Plus personne dans le but. Et le but facile parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On le revoit, le but était grand ouvert et donc ça finit au fond sans trop de difficultés. Allez donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Hakim Ziyech. L'action se poursuit dans le camp adverse. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. La frappe contrée sans souci. Loftus Cheek. Kai Havertz. Et voilà le coup de sifflet donc pour la mi-temps ici à Old Trafford. Thank you.
L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Loftus-Cheek. Kane. Oui, le long ballon. Et le but, mais qui va finalement être refusé. Il y a hors-jeu, oui. Et là, avec quelques centimètres alors, hein, parce que moi, je n'ai rien vu. Et voilà, le changement s'effectue. Foden. Et pourquoi pas amener un peu de danger là. Phil Foden. Oh, c'est mal dégagé ça. Et le danger est éloigné. Julian Brandt. Et la belle passe par-dessus. Gonçalo Inacio. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Et un changement donc. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Oh, l'occasion de revenir. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Foden. Rodrigo De Paul à la réception. Et oui, avec Thomas Lemar. Attention, Thomas Lemar. Oui, joli réflexe. Araujo. Havertz. Et on approche, c'est Kai Havertz. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Il y a du soutien là pour attaquer. Le contre est possible. Et bien vu, la passe en profondeur. Oh, le ballon qui est bien écarté. Allez, changement donc. Eh oui, c'est joué en deux temps. Le ballon pour Jiménez. Bonne intervention pour éloigner le danger. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent, c'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est pas fini, il y a encore quoi faire là apparemment. Foden. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres.
Mais voilà, c'est le moment pour faire un changement. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Eh oui, duel remporté. Sorlotte. Ouh, ce ballon par-dessus. Ah, bien anticipé, le ballon est intercepté. C'est mal maîtrisé et l'arbitre va sans doute sortir un carton. Ah oui, c'est un geste non maîtrisé et dangereux. Et l'arbitre elle a tout à fait raison. Évidemment, c'est un carton rouge. Attention à ce ballon par-dessus. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. Peut-être une option pour une contre-attaque. Foden. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Oh là là, mais quelle intervention dangereuse. L'arbitre va sans doute pas hésiter à mettre la main à la poche. Et c'est le rouge, exclusion, l'arbitre sort donc le carton rouge là-dessus. Quand la décision est prise, plus la peine de polémiquer. Rouge, c'est la douche avant tout le monde. Le danger est toujours présent. Et c'est la fin du match. Et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette. C'est une victoire sans possession, avec moins de bonnes occasions et beaucoup plus de réussite. Ça compte aussi. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Attention. Attention, voilà un bon duel. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis dans l'opposition. Tatiana Pinto. Phil Foden. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombasso. Et pourquoi pas un tir? Mais c'est pas possible. C'était l'occasion ou jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible.
Et le break est fait, les voilà, avec une avance confortable maintenant. Des solutions en attaque là. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Une belle passe en profondeur. Attention, Thomas Lemar. Plus personne dans le but. Et le but facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Oui, le long ballon. L'occasion de revenir. Eh bien vu, la passe en... Voilà, c'est parti, le coup d'envoi.